Bonjour, je m'appelle Laurence Baranski et j'ai le plaisir de proposer un article dans le prochain numéro du magazine Vivre, article intitulé Nous sommes les créateurs de notre réalité. Dans cet article, j'aborde un sujet qui m'est cher, c'est celui de notre pouvoir créateur, c'est celui du regard que nous portons sur la vie, qui est toujours notre liberté. Nous avons la liberté, si nous ne pouvons pas changer la réalité en 3D, nous pouvons changer la manière dont nous la regardons. Nous pouvons changer la manière dont nous la ressentons, nous pouvons changer la manière dont nous l'interprétons. Et nous pouvons aussi changer cette vision que nous avons de ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est enfermante ou est-ce qu'elle est en fait riche de multiples portes et fenêtres que nous pouvons ouvrir pour laisser entrer l'air, l'oxygène et le souffle de la vie? Et nous-mêmes nous aventurer au-delà sur des territoires inconnus où nous allons pouvoir construire du nouveau, découvrir, expérimenter, vivre ensemble. Et dans ma réalité à moi, ce vivre ensemble est un vivre ensemble très joyeux, très collectif et très, très heureux. C'est un vivre ensemble chantant et dansant. En ce moment, on peut se demander quelle est la réalité dans laquelle nous avançons collectivement. Et si on la regarde du côté inquiétant, angoissant, on a toutes les raisons d'être pessimiste. Mais on peut aussi la regarder du côté de la créativité, de toutes les émergences positives, de toutes les prises de conscience, de tous les désirs de faire autrement, de vivre autrement, d'être autrement. On peut la regarder du côté de cette envie que nous exprimons et que nous partageons de plus en plus d'un retour à l'essentiel. Et l'essentiel, qu'est-ce que l'essentiel? À nous de le retrouver. Pour moi, il est en nous, quelque part en nous, et il nous relie tous. Il est au niveau du cœur, au cœur de nos cœurs, là où se loge le diamant des êtres lumineux que nous sommes. Merci pour ce partage, je suis ravie. Merci pour cette écoute. Et à très bientôt, je l'espère. Au revoir.